Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintée qui présente quotidiennement la course du Quintée du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce jeudi 9 septembre 2021, direction l'hippodrome de Paris-Longchamp pour le prix de Longchamp, cinquième course de la Réunion 1 où 16 galopeurs âgés uniquement de 3 ans en découdront aux alentours de 18h20. Retrouvons donc la capitale parisienne pour le quintet plus du jour avec des galopeurs âgés de 3 ans qui en découdront sur le parcours des 2200 mètres de la grande piste parisienne. Sur un bon terrain rapide, une fois encore, il faudra occuper une bonne place pour espérer jouer les premiers rôles lors de ce handicap divisé de première épreuve, s'annonçant très ouvert avant coup et offrant une dotation totale de 55 000 euros. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintée. En première position, nous retenons le numéro 9, Bazoc. Mise au point par un certain Yann Barbereau, cette fille de Le Havre reste sur plusieurs bonnes tentatives. Proche de renouer avec le succès en 2021, elle mériterait tout simplement de remporter son quintet plus. En deuxième choix, le numéro 8, American Park. Fabrice Chappet est un maître en la matière et comme Stéphane Pasquier est aux manettes avec le numéro 2 dans les stalles de départ, ce n'est assurément pas pour faire de la figuration. En troisième choix, retrouvons le numéro 7, Îlot Secret. Mathieu Brame fait appel à Christophe Soumillon pour l'occasion et ce n'est assurément pas pour faire de la figuration, lui qui tourne autour du pot depuis un bon moment dans les quintés plus. En quatrième position viendra le numéro 2, Motte la Haine. Henri Alexpental l'aime bien et pense qu'avec l'as à la corde et Michael Barzalona aux commandes, il n'est pas incapable de réaliser un joli numéro. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 5, High Lady. Pilotée par Maxime Guyon et présentée par un certain Jean-Philippe Dubois, elle est en mesure de terminer dans la bonne combinaison du quintet. Au sixième rang sera retenue la candidature du numéro 12, Freedom. André Fabre est de plus en plus percutant dans les handicaps avec l'âge et c'est pourquoi il faut faire confiance à cette femelle de 3 ans restant sur une belle victoire. En avant-dernier choix, le numéro 4, Ici 22-ci. Assurément, cette élève de Jean-Pierre Govin ne sera pas toujours malheureuse et c'est pourquoi il faut la retenir dans une combinaison élargie. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 13, Yenisei. Son entourage étranger affiche une très belle confiance et compte sur l'aide de Sébastien Maillot pour briller pour ses premiers pas dans les handicaps. En cas de non partant, le numéro 1, Silver Silk, qui débute lui aussi dans les handicaps, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour 1 euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, mardi, Top Prono indique une nouvelle fois un tiercé affichant un rapport de plus de 185 euros tout de même dans le désordre. Pour vous abonner à Prono VIP, il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront dans la foulée en privé pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintée et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois offrant un abonnement VIP